Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Bonjour tout le monde, ici Young Soul, live que vous allez bien parce sur que la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bonjour tout le monde, ici Young Soul, live que vous allez bien sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Il a disparu, petit bug. Toujours là, Bendy Linden. Des genres de bugs comme ça des fois. Des pierres puissantes très rares. Okay. Allons voir ça. Mais là-dedans, je pense que ce sera pas facile. Ah, c'est bien compliqué, si je me rappelle.
Rien. Asti, c'est une gosse, hein. Aidez-moi. B, c'était pour... Je pense qu'ici il faut. Ah, c'est vrai qu'on peut monter nos levels aussi. On peut aller dans les bas niveaux puis monter ses levels jusqu'à ce qu'on vienne plus fort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas réfléchi. Tu sais, c'est trop compliqué. Tu vas augmenter tes levels, puis éventuellement, tu vas venir assez fort pour affronter et donc juste se battre contre des niveaux moins forts. Je regardais juste d'un côté pour les bouteilles d'énergie. J'ai pas aperçu que ils avaient chacun leur bouteille, donc un timing différent pour chacun.
C'était quand là? Au pire. Oh, zone terminée. C'est bien ça. Il neige. Eh ben, et tu te vois, il peut neiger. Thank you.
Bon. Augmenter de level. Eh oui, allez. Et on peut aller au gym aussi, ben. On dirait que vous avez un jeton prêt à sentir cette brûlure dans tous vos muscles. Vous voulez prendre de la masse, perdre du poids, faire du cardio, être en forme, plus mobile, le but c'est de toujours devenir plus fort. Rester dans la zone verte. T'as vraiment que c'était pourri, hein? Ouf, je voulais 3 au moins. Tabarnak, je peux brûler. Aïe, aïe, aïe. Détruire, écraser les intrus. Quoi qu'il arrive, ne te fais pas écraser. Non, vraiment pas.
Mauvaise idée. Yes! C'est quoi l'idée? Plus on descend et plus ça facile! Je crois qu'on tient une sorte de... récompense. Destructeur, spécialiste en vagues et les ennemis protégés par des boucliers. Anti-choc, amélioration d'équipement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Niveau 8, porte fermée. On va aller voir ce qu'il y a dans le niveau 8. Vague 1. Thank you.
Viens, toi. What? Zone terminée! Drain de vie aux ennemis qui approchent du totem. Draine la vie. Ah ouais. Non, pas ça. Allez.
Coffre découvert. Excellent. Les armes sont pas si bonnes. C'est des armes qu'on va mettre à vendre, principalement. Toujours là, Mr. Flight! Oh. Touché à cette glace alors, c'est quoi, vos petits morts? Ouais, c'est ça, va chier. Ah oui? Dolpel Gassa, cela signifie double danger. Non, mais... vraiment, va te faire foutre. Je crois qu'elle... peut pas nous entendre. Je l'ai sûrement, mais je ne suis pas là pour vous dire des choses qui risqueraient de vous monter à la tête. Je suis ici pour vous dire... Elle doit nous observer grâce à ces trucs, non? Sans doute. On va la trouver et la faire taire. C'est que si vous continuez, vous ne rencontrerez qu'un sombre destin. Bon, allons voir qu'est-ce qui se passe. Non, vous avez l'air de deux crétins insurmontables, insupportables plutôt. Assaut suivi, les attaques vaillent 1 sur 5. Vagant, c'est facile. Thank you.
Vague 2. Vague 3. Fuck. Allez, KO. Et 25. Oui. J'espère un niveau de plus. Jeune Cassiné déroule d'un couloir. Cœur de laboratoire. Sur le passé, mais si vous vous entêtez, je ne garantis pas qu'est-ce qui va se passer avec vous. Non, 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 c'est impossible. Je vous... Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos de votre mort? Vous devriez pas trop traîner. Mon travail, tout mon travail serait détruit si vous apportez ma rune de puissance. Je ne vous laisserai pas faire ça. Non, 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 non. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Encore trop à faire, trop de travail à terminer, je ne vous laisserai pas m'arrêter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon frère et moi, on n'est pas vraiment limite. Vous êtes prêt à voir vos espérances et votre tranche se fracassent en même temps?
Oh, j'ai plus de bouteille d'énergie. Ouf. J'ai dû aider mon père et après dîner. Oui. Elle était pas sympa et on a eu chaud. J'ai aimé. J'ai jamais douté. T'as même peur ? Non, je veux dire, j'étais terrifié et très en colère, mais j'ai pas douté. J'ai bien trop d'émotions en ce moment pour douter. Ces gobelins veulent vraiment notre peau. Et on l'a vraiment tué. Ouais, eh ben, elle nous a pas vraiment laissé le choix. Je sais, mais quand même. Ça va aller. Prenons ce trône et tirons-nous. Gardien vaincu, récompense. Créez une arc électrique qui vous téléportera sous l'ennemi. Les plans de construction d'une gigantesque machine d'excavation trouvée dans les laboratoires de Techa. Elle est pas... Elle allait pas nous lâcher. On a fait ce qu'il fallait. Tirons-nous d'ici, c'est tout. Une autre rune. Ouais. Tu m'as l'air plus abattu que d'habitude. Ça va. Cette baston était plus difficile que les autres, on a failli. Ah oui, et pourtant, vous faites ce qui doit être fait. Oui, ce qui doit être fait. Reposez-vous. Vous avez tous les deux l'air épuisés. Demain. On donnera la nouvelle rune de puissance à notre pote W. Apportez la rune de puissance. Apportez la rune de puissance à notre mère. Oh, une cinématique. Afin de sauver les plans de Tchetcha, il nous faut quelque chose qui servira à supraconducteur. Ce sera normalement impossible grâce au talent de Dinkoi. Je crois pouvoir trouver un moyen. Bien, bien. Fais-le nez. Quelqu'un a prononcé le nom de Dinkoi, tisseur de la trame occulte? En effet, oui. Dinkoi est apparu. Oh. J'écouterai. J'ai besoin de ton aide pour achever le projet de Techa. Oh, tu en appelles à mes pouvoirs occultes? Oui. J'aimerais te l'entendre dire.
qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tu as besoin de l'aide et les pouvoirs occultes dans toi et cet autre ne fait que vous croquer. Que tu as besoin de moi et de la somme immense des connaissances que j'ai amassées pour parfaire mon travail que tu méprises. Que tu as besoin d'une chose que moi seul peux te donner et qu'il y a des choses que je savais faire, pas toi. Oui, tout ça. Je veux que tu dises. Nous n'avons pas vraiment le temps pour... Tcha-Tcha nous a quittés. Quittés? L'une de ces machines a explosé. Elle était à l'intérieur. Elle a quoi, je crois pas. C'est à cause des terrariens. Non, ce ne sont pas des sales calcinés qui... Elle est bien trop intelligente pour se faire prendre. Quitter ? Shinjo envoie tes serviteurs et vérifie sur place. Je suis sûr qu'elle a survécu. Elle devrait avoir une sorte de plan de secours, quelque chose. Tu étais présent ? Et tu ne les as pas empêchés, mais à quoi sers-tu ? Assez, je ne t'aurai aucune querelle devant la pierre. Nous sommes unis. Oui, oui, je défends la pierre. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Je dois me préparer. Et achever les plans de Tcha-Tcha. Quoi? Quoi indiquer la menace me permettrait-vous d'accéder à certains des textes interdits? Oui, à situation désespérée. C'est bon de voir à quoi ressemble la mort, je vais les satisfaire. J'ai bien fait, pire, pour en arriver où je suis. Elle nous a quittés? Est-ce que les voix fonctionnaient, hein, Mr. Flight? Ou n'importe qui d'autre. Pour vous aider à affronter les dangers qui vous attendent, les vendeurs du marché gobelin proposent de nouveaux équipements. Allez voir ça. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Et c'est presque. Vérifier ce qu'on pouvait évoluer. Le chimiste a une tête bizarre. Je lui ferai pas confiance.
Donc là, ils vendent pour 1134 de défense. L'amélioration de mon armure. Oh, on peut l'évoluer. Je vais mieux évoluer les armures que j'ai présentement. Et eux, je devrais les vendre, mais j'ai pas besoin de les vendre tout de suite, tout de suite. Pas là. J'ai pas de billet pour aller au gym. Hôtel de ville. La porte est ouverte, il vous attend. Ok, merci. Oh oh, Mero et la crinière rouge, avez-vous quelque chose d'intéressant pour moi? On a trouvé une nouvelle rune de puissance. Et voilà. La rune Abyss, d'Abyss. Bien bien, toute cette puissance supplémentaire sera envoyée directement vers le portail. Au fait, cette poufiasse de scientifique travaille sur ça? Plan d'excavation de Tekcha. Ça a l'air sympa. Ça n'a pas l'air marrant, c'est terrible. C'est exactement contre ce genre de choses que nous devons nous défendre. Cela pourrait détruire toute la ville. Ouais, comme je disais, ça a l'air sympa. Oui, oui. Merci d'avoir porté ceci à mon attention. Veuillez voir cela avec Nili. Elle pourrait vous remettre les ressources disponibles à l'heure actuelle. Vous croyez qu'on doit s'inquiéter pour la ville? Non, je ne pense pas. Enfin, laissez les adultes gérer ce problème. Les adultes? C'est pas juste des enfants qui prétendent avoir le pouvoir? Oui, mais nous avons aussi expérience. Faites votre part du boulot. Et je fais la mienne. D'accord, Walden le maire. Walden! Appelez-moi Walden. Ok, Walden. Enfin non, appelez-moi plutôt Monsieur le maire. Je suis représentant du peuple, tout de même. À plus tard, Big Wig! Big W! Le maire vous remet ça. Il est désolé de ne pas pouvoir faire plus. On s'en fiche de ce qui contient des calendriers, des papiers, des pinces coupants. Vendez-les aux prêteurs sur gage pour gagner de l'argent. Merci d'être poli pour une fois. C'est de la part du maire. Moi, je fais mon travail. Franchement, je crois qu'on devrait juste faire exploser ces grottes remplies de petits bonhommes verts. Ils sont plutôt violets, en fait. Mais c'est une idée. Putain! Mais quoi, c'est vrai! Grâce à la rune de puissance que vous avez remis à Walden, le portail lunaire a assez d'énergie pour vous amener jusqu'à terre du magma. Objectif actualisé. Retournez au portail lunaire. Je vais aller voir cette vieille boîte, là. Cours, forest, cours, forest, forest, cours.
J'espère pouvoir bientôt rentrer de nouvelles marchandises. Je vais être à court. Carton de vieillerie du maire. C'est tout ce que j'avais à vendre. Chapitre 7. Les terres du magma. Trouver la rune de puissance dans les terres du magma. Tetcha est une génie, une experte des technologies qui tousse. Oups, a fait basculer ce qui était un monde très rural vers le nerf d'acier, de vapeur et de prison. Elle n'a pas le soutien de Dinkoy ou de Mage de Pierre, mais Devin Goben a pourtant développé toutes ses ambitions autour de ses machines et construit les machines censées permettre aux Gobans de remonter à la surface. D'immenses excavateurs gigantesques alimentés à force égale par la magie et la science. Elle n'est pas intéressée par la surface, elle veut seulement prouver que ses théories sont correctes. Cacon, c'est un grand goban, il a unifié les tribus perdues, il a pris la tête des forces militaires. Il ne supporte pas de paraître faible ou d'être faible. Toute sa vie, il a considéré les gobans comme supérieurs aux habitants de la surface. Il ne conçoit pas un monde où les gobans ne seraient pas la race dominante. Il fera tout pour imposer sa suprématie. Si Dwalver Gorben a pu dissoudre le Sénat, c'est grâce à l'appui militaire de Cacon. Dwalver Gorben a pris place sur le trône de la pierre, mais Cacon tient le pouvoir. Qingzhou est le chef des mains muettes. C'est un ninja ou d'assassin à en croire leur idée romanesque. En réalité, ce sont des voyous, des meurtriers. Une police secrète mise en place par Cacon en complément de ses propres forces, tout cela pour mettre au pas les gobans. Qingzhou sera fidèle au trône jusqu'au bout, un être dangereux et intelligent que je ne vous souhaite pas de rencontrer, les enfants. Les excavateurs sont une utopie imaginée par Tchetcha. Elle veut créer une gigantesque machine d'excavation capable de creuser à travers les couches rocheuses qui nous séparent des territoires humains. Mais le pire, c'est qu'elle pourrait servir à enfouir toute une partie du globe. Des victimes par milliers, d'une arme capable de détruire des villes entières, notre peuple ne serait pas de taille à l'affronter. Fasmor est un esprit doué, le protégé de Tchetcha. On dit qu'il était sans doute professeur autrefois, mais l'élève a dépassé le maître. C'est un ancien, il était déjà âgé quand j'étais jeune. C'est la technologie qui le maintient plus ou moins en vie. Il entretenait une sorte de relation père-fille, maître-disciple. Mais le rapport de force est biaisé. Il lui est totalement dévoué au-delà des raisonnables. Le professeur, par où commencer? C'est lui qui a découvert ce lieu que vous appelez la rue des Gobelins. Un ancien marché, des années de recherche et de fouilles l'ont guidé ici. Il a ensuite découvert le portail lunaire et les routes de voyage. J'ai fait sa connaissance peu après cela. Durant des années, il a nourri les liens humains gobelins, créant peu à peu le climat de confiance entre nous et votre ville endormie. Mais Dwarven Gorben est arrivé au pouvoir de professeur à aider certains à fuir et à trouver refuge à la surface. Quand Dwarven Gorben parlait de prendre la surface par la force, le professeur prenait la paix. Quand Dwarven Gorben tuait et brûlait, il prêchait la tolérance. Quand Dwarven Gorben lui a demandé de céder ses secrets et d'avoir et savoir-faire humain, il a refusé. Je me suis caché avec d'autres, mais il a continué à venir malgré le danger.
Il a continué à tenter de négocier avec le nouveau pouvoir en face, ou plutôt en place, quand Dwangvergurben nous a attaqués. Il m'a protégé. Sans lui, je ne serais plus de ce monde. Dwangvergurben respecte le professeur, cependant il tuera. Il juge cela nécessaire. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Young Soul, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!